Donc, yo tout le monde, c'est Skyrim. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Donc, c'est un glitch GTA Online de duplication. Donc, vous pouvez dupliquer n'importe quel véhicule, sachez-le. Donc, pour ce faire, il faudra un bunker que vous achetez sur Fortress Space Bank, là. Je sais même plus, ouais, ici. Donc, vous prenez celui que vous voulez. Donc, pour ma part, ce sera celui-là, ce sera ce bunker et ce complexe. Il vous faudra ensuite. Désolé, il vous faudra ensuite. Un centre d'opération mobile avec un module 2, vous mettez ce que vous voulez. Et un module 3, il faudra le dépôt de véhicules personnels, c'est très important. Et module 1 aussi, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que vous avez tout ça, il vous faudra un véhicule que vous voulez dupliquer, que vous allez devoir mettre dans votre centre d'opération mobile, comme moi. Ensuite, vous allez le prendre et vous allez sortir. Donc, vous allez faire R2. Donc, il faudra aussi être en mode de visée libre ou assisté, selon si vous avez un ami qui est en mode de visée libre, ben, mettez-vous en mode de visée assisté. Et si vous êtes en mode de visée libre et. Et il faut que lui soit en mode de visée assisté. Donc voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. Donc du coup, comme je vous ai dit, vous sortez de votre bunker, enfin de votre centre d'opération mobile avec le votre véhicule. Vous le laissez là et puis maintenant vous pouvez sortir. Alors, aussi, ce sera interdit les véhicules personnels. Vous pouvez utiliser véhicule d'amis. Vous pouvez utiliser tout véhicule que vous voulez, sauf véhicule Pegasus. Et vos véhicules personnels. Donc vous pouvez utiliser les véhicules de PDG. C'est ce que j'utilise moi dans la vidéo là. Là j'ai utilisé la Sanchez, mais après j'ai utilisé le je vais utiliser le Bazar. Voilà. Donc là pour ma part c'est juste à côté, du coup en fait j'ai juste à suivre la route et on y arrive très rapidement. Donc je vous conseille de prendre les mêmes que moi, surtout si vous voulez faire toutes les missions de complet. Bon, certes elles vont tous être loin, mais il y en a la Le Bogdan après, c'est juste à côté, du coup, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux celui-là en fait. Le plus simple, c'est juste pour avoir les offres, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire des Bogdan entre bah, abonnés, entre guillemets, pour vous aider à pouvoir faire les glitches après si vous n'avez pas tout ça, si vous n'avez pas de bunker, ni rien. Donc, ou sinon, mettez-moi vos PSN en description et. Je vous ajouterai, je vous demanderai. Et mettez à côté la raison, donc c'est pour faire ce glitch, pour que je vous fasse un glitch, pour que vous puissiez. Enfin, si c'est pour, ou si c'est pour un Bogdan. Et je peux vous aider aussi à faire vos braquages si vous voulez. Donc voilà. Et ajoutez-vous entre vous. Donc, ce glitch, je sais pas s'il est fonctionnel pour tous, il me semble. Oui, pour tous. Donc là, vous allez ici. Ah, il faudra aussi déléguer Rachid dans votre complexe. C'est le véhicule que vous allez perdre à cause de la duplication. Donc là, une fois que vous êtes là, du coup. Désolé si je renie, mais bon. Parce que je suis malade, oui, malade en été, ouais. C'est chaud, hein. Donc là, ce message-là, vous allez l'accepter. Et celui-là, vous allez le refuser. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez ici. Il faut que vous ayez la flèche de droite affichée. Vous allez faire pause, X, ça. Vous allez cliquer sur une activité en bleu au pif. Donc si vous savez pas comment on active les activités en bleu, vous restez appuyé pavé tactile, vous allez dans ça, la masque icône, et vous faites afficher. Et là, voilà, mince, voilà. Là vous faites pause, du coup, tac, pavé tactile. Là vous faites carré sur l'activité. Carré. Donc là vous avez ça. Vous attendez quelques. Là ici vous appuyez sur X. Là si vous avez ça c'est bon. Là, vous spammez 2-3 secondes la flèche de droite, et ensuite vous appuyez sur X. Si vous avez ce menu-là, c'est bon, pour le moment vous avez réussi. Là, vous allez refaire X, pause, pardon, X, pavé tactile, vous allez recliquer sur une autre activité, sur une activité en blanc, quoi. Et là, quand vous allez appuyer sur X, il va falloir vite spammer rond, ok? Donc, 1, 2, 3. Et ensuite vous aurez le chargement en bas à droite à l'infini. Donc là vous allez vous courir, vous marchez, c'est comme vous voulez. Ah bah, vous allez monter dans une de vos Eleguy RH8 qui sera le véhicule à perdre. Donc je vous conseille les Eleguy RH8 puisque déjà de 1 chez les véhicules c'est des véhicules gratuits. Et vous voyez, duplication ça marche, hein. C'est un véhicule gratuit et ensuite avec celui-là vous allez pouvoir revendre les duplications plus cher que si vous le faites avec un véhicule. Donc là vous montez dedans, vous allez faire, vous faites rejoindre la session. Donc là vous attendez là,
Donc là, si vous avez ce message, vous allez maintenir R2 et accepter et refuser le deuxième message. Donc accepter et celui-là refuser. Là, X. Et voilà, là ça va vous faire tout sans relâcher R2. Là ça va vous faire descendre, donc là vous attendez, ça va vous refaire spawn là, tata. Et en haut à gauche, ça vous dira ce complexe n'est pas à vous, vous l'avez car vous l'avez vendu, je sais pas trop quoi. Donc là vous attendez, voilà. Parce que vous l'avez vendu, mais alors c'est totalement faux. Donc pour ma part, je spawn ici à chaque fois. Donc là, vous faites pavé tactile, sécure serve. Oula. Là, vous faites véhicule de PDG et bazar. Donc je prends le bazar parce que tout simplement c'est le véhicule qui me permettra d'aller le plus vite à mon bunker qui est à l'autre bout, malheureusement. Donc ce temps-là, je vais vous parler de ce que j'en viens de faire. Donc déjà, je me suis fait, les gars, je me suis fait un petit setup, genre il y a ma télé et ma play, mon ordi et un autre écran d'ordi, enfin un autre écran pour le double écran d'ordi. Donc c'est voilà, donc déjà ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai fait une nouvelle intro que sûrement vous allez voir là du coup. Ensuite sur cette vidéo j'essaierai de faire du montage, donc si c'est pas trop bien réussi, suis désolé mais bon c'est comme ça. J'en suis désolé. C'est parce que ça sera ma première fois que je ferai du montage sur PC. Parce qu'en général je fais le montage sur Share Factory et encore c'est juste une intro que je balance et puis c'est tout et puis je fous une petite musique en fond dans les trucs, mais là j'essaierai de faire un bon petit montage. Ensuite les vidéos j'essaierai d'en faire une tous les... En fait je vais en tourner plusieurs le même jour et je vais les monter et je vais genre les sortir, je pense genre celle-là elle va sortir sûrement je pense on est quel jour à fond? On est mercredi, je dirais celle-là normalement elle va sortir vers quelle heure? Je sais plus. 14h, ouais, je pense qu'elle va sortir vers les coups de 17h je pense. 17-18h je pense. Du coup voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé à votre bunker, vous rentrez dedans. Ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc moi, le personnage gère tout ça, je... Bref. Là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Il fait chaud. C'est abusé. Juste ma paix fait du bruit, donc désolé si vous entendez. Donc là, vous montez dans votre easy anticipation. Voilà, donc là, il se passe rien. Tout à fait normal. Vous accélérez. Donc là, ici, vous faites... flèche de droite, là ça vous met. Si vous achetez ce véhicule, le centre d'opération, votre véhicule personnel garé actuel sera transporté à un garage. Donc là vous faites OK. Et là les gars, bah, vous avez réussi votre duplication. C'est simple, facile, rapide et efficace. Donc les gars, n'hésitez pas à partager à tous vos potes, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. On vise les 100 abonnés. Et moi je vous dis ciao. 1, 2